Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'ouverture du colis de livres d'or Disney. Donc pour tous ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ouvre des livres d'or. J'ouvre des colis de livres d'or Disney une fois par mois environ. Et là, j'en ai reçu un nouveau. Donc j'ai hâte de découvrir quel livre j'ai à l'intérieur. Je me suis renseignée, car vous avez été très nombreux à me poser la question ces derniers temps, combien il y en a dans la collection. Donc normalement, il y en a 80, je ne sais plus, on en est dans les 30 et quelques, on va le découvrir aujourd'hui de toute façon. Donc on est bientôt à la moitié. Le nombre de livres peut changer en fait au fur et à mesure, tout simplement parce que si ils n'ont pas assez de personnes qui achètent leurs livres, ils peuvent arrêter la collection du jour au lendemain. Alors j'espère pas, parce que j'en suis bientôt à la moitié, je serais super déçue. Moi, ils me plaisent vraiment énormément, je les trouve super beaux. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va passer à l'ouverture maintenant. Ouais, j'ai lu un petit article qui en parle et justement, je me dis que s'ils arrêtent, c'est dommage. Parce que j'aurais pas une collection achevée. Je me demande si c'est possible de les commander quand même, s'ils arrêtent. Après, je pense pas qu'ils vont arrêter, ça serait nul quoi. Allez, on va passer au premier livre. Oh, Aladdin 2. Waouh, je suis super contente. Le retour de Jafar. En plus, la couverture est super jolie, j'adore. Je vais vous montrer sans le plastique. Donc bien sûr, à la fin, je vous montrerai tout ce que j'ai dans la collection. On fera un petit tour rapide. Je vous montrerai l'illustration comme d'habitude, où elle en est, l'illustration qui est sur le côté ici. Allez, c'est parti. Donc regardez, la couverture est super jolie. Le derrière de la couverture aussi. Comme d'habitude, ça commence avec les petites étoiles. Donc je n'ai jamais lu ce livre. Et je vous montre l'intérieur assez rapidement. Wow, les illustrations sont superbes. Ok, pour le premier livre, très agréablement surprise. Allez, nous allons passer au deuxième livre. Mickey envoie le courrier de Noël. Ok, je ne connais pas du tout. Ça a l'air d'être une très vieille histoire. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Moi, je ne connais pas. Hein. Mais voilà, hâte de lire, de découvrir, de savoir ce que ça vaut comme histoire. Ça a l'air assez cute. Quand je vois l'illustration, je trouve que ça fait assez ancien, donc j'aime bien. Franchement, oui, encore une fois, très agréablement surprise. Regardez l'illustration, ça fait très ancien. Je trouve ça trop mignon. Ah ouais, les dessins sont super. Je ne connaissais pas, franchement. J'adore. Hâte de le lire et de vous dire ce que j'en ai pensé dans la prochaine vidéo. Ok. Allez, c'est parti pour le troisième livre. Et nous avons Lilo et Stitch. Pour l'instant, je pense que c'est le meilleur colis que j'ai eu. Je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mais là, franchement, ça bat tous les records, quoi. Les livres sont super. En plus, il y en a deux que je n'ai jamais lus. Donc voilà la couverture. Franchement, elle est super belle. J'adore. J'adore l'illustration. Derrière, ils sont trop cute. Ils se font un gros câlin. Allez, hop. Franchement, je trouve que les livres sont super beaux. J'adore. Allez, c'est parti pour le quatrième et dernier livre. Alors,
On va essayer de deviner. Donc, je sais plus tout ce qu'on a eu. Enfin, je sais à peu près. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Peut-être le roi Lion 3? Ça serait bien. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce carton? Dites-moi en commentaire si vous savez ce qu'il y a dans ce carton. Après, il y en a qui font déjà la collection, ça je le sais. Peut-être que vous avez déjà reçu. Moi, ça fait déjà une petite semaine que j'ai le colis. J'attendais le moment pour l'ouvrir. Bon, allez, je ne sais pas. C'est parti. Pocahontas, j'aurais jamais deviné pourtant. Super. Je suis trop contente. Franchement, les 4 livres là... Vous direz mon préféré, mais franchement ça va être compliqué parce que il y en a deux que j'ai jamais lu, donc forcément au pire je vous donnerai ma préférence par rapport aux illustrations, pas par rapport aux histoires. Oui, donc la couverture, je vous ai pas montré, mais elle est super jolie comme d'habitude. J'adore. Et voilà pour le 4e livre. Donc par rapport aux illustrations, je suis mais super fan des 4. Mais franchement, j'ai une petite préférence pour celui-ci car il fait très ancien et j'aime bien les anciens Disney en général. Donc pourquoi pas le découvrir et vous dire plus tard ce que j'en pense. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, je vous ai déjà posé la question. Donc voilà. Là, on va voir pour l'illustration. Donc là, on en est au 39e livre. J'ai le 39e. Donc là, déjà, c'est hop, dans cet ordre-là que ça se présente. Donc je pense que vous avez reconnu l'illustration ici. Là, je vais chercher tous les livres. Je vais vous montrer toute l'illustration, où elle en est et tout. Et ensuite, je vais vous montrer toute la collection. Dites-moi votre préféré en commentaire sur les 4 que j'ai reçus aujourd'hui. Donc là, j'ai toute la collection avec moi. Et comment vous dire que ça prend énormément de place. Donc, je vais y ajouter tout cela. Alors, je voulais le Roi Lion 3, mais je m'en rappelais plus. Le mois dernier, j'ai eu le Roi Lion 2. Donc, ça aurait été très étonnant d'avoir le Roi Lion 3 tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble l'illustration. Donc je suis désolée, j'arrive pas à vous la montrer entièrement. On va faire glisser un petit peu. Voilà, il manque pas grand chose. Franchement, moi je la trouve super jolie. Je l'ai mis sur une étagère et ça rend super bien. Donc j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble entièrement. Là on en est à la moitié quasiment. Il nous manque qu'un seul livre pour être à la moitié. Donc le mois prochain on aura dépassé la moitié. Waouh, la collection est super jolie. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir commencé. Allez, c'est parti, je vais vous faire un récap de tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Donc forcément, il y a les 4 d'aujourd'hui. Le Roi Lion 2 que je viens de vous montrer. Pinocchio, Coco, Rebelle, Rox et Rookie, Alice au Pays des Merveilles, Winnie l'Ourson, Les Indestructibles, Les Trois Petits Cochons, Mulan, Les Aventures de Bernard et Bianca, Monstres et Compagnie, Dumbo, Vaiana, Cars. Alors attendez, hop, j'enlève ce petit tas et je vais vous montrer la suite. Robin des Bois, Réponse, Toy Story, Ratatouille, Les Aristochats, La Petite Sirène, Le Monde de Nemo, Peter Pan, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois Dormant, Aladdin, La Reine des Neiges, Cendrillon, Les 101 Dalmatiens, La Belle et la Bête, Bambi, Le Livre de la Jungle, Blanche-Neige et les Sept Nains, et enfin le tout premier livre que j'ai acheté, Le Roi Lion. Voilà. Voilà toute la collection pour l'instant. On n'en est qu'à la moitié. Je reviens pas parce que je pensais pas qu'il y en avait autant. Mais franchement, je suis super contente. Elle avance plutôt bien. Il m'a fallu quand même pas mal de mois déjà pour avoir la moitié.
Du coup, si j'en ai encore 4 par mois, il faut encore compter 10 mois pour finir la collection. Du coup, il y en aura un en trop, donc je sais pas comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont m'en envoyer 5 à la fin? Je sais pas du tout. Donc voilà, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis !